Shalom, Kombolangai, évangéliste Lionel Koubatila, Toye Liboso Nabino pour la complémenter Bino Lissousso. Première émission Nabiso, Oyotobandi, ba séance Nango, et les autres ont un thème moko tellement important, Yako partager ensemble Nabiso, partout dans le monde, et si Kanyo Sozali, Nanzela, ya étandomuke, Tobanda Kolandaka, Malakisi, Oyope, pour permettre Nabiso, Yako Zala tellement édifié. Na makambonyo sotokoki kolobela na okourant ya ben émission na biso et na sepeli makasi déjà na présence ya batonyo so o baza connecté batonyo so o baza présent pour na kolanda biso na moment ya exhortation ba moment édifiant o tokozala nango tout au long ya année oyo et tokozala ba moment ya partage et ko permettre le sousou koyé ko la paix ko comprendre makambo ebélé. C'est pourquoi les autres ont un thème, Nabiso et Aliboso, autonomie, la disposition du cœur. Il y a un thème, Nabiso, autonomie, développer les autres. L'autre, pour la première partie, et vous allez la continuité, il y a enseignement au lieu. Mais les autres, d'abord, première partie, ou les parties introductives, pour permettre à Nabiso de comprendre, Pekoeba, Malakisignon, et Pesami, c'est ce qui concerne la disposition de nos cœurs. La disposition de nos cœurs, on a été dans le poteau, mais on a la penza na yebi penza mingite yako yako la penza. Mais on a voulu que limbo la mukie na linga la esa que la disposition de nos cœurs esa le lenge o yomote manayo ebongi sami. Yango o esa dit peut-être traduction en ngai parce que je connais pas bien les linga là puisque yo mutolo en ngai. Mais on a voulu que limbo la yangoana la disposition de nos cœurs o esa dit le lenge mite manabiso ekoki ko zalela. Il y a un mot qui est le premier numéro, il y a un message autorisé comme le mais il y a plus qu'on a catégorisé plus dans le mot Biblia et le Bélibiso. Biblia et le Bélibiso Nini. Biblia et le Bélibiso Nini. Bible et le Bélibiso Nini. Et c'est par là que vous permettre à Bissot de comprendre, de comprendre, de comprendre, de comprendre, pardon, de comprendre, de comprendre, Biblia est allé ici Bissot, il y a de comprendre, de comprendre. Biblia est ici Bissot dans mon canal. Il y a Genèse chapitre 6, le verset 5. Maintenant, on va le verset 5, mais on va voir le temps du 1er au 6e, au 8e verset. Et tout ça, c'est dans Genèse chapitre 8, le verset 21, et tu reçois Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Mais on va dire d'abord dans Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible dit « Le Seigneur vit que l'homme était de plus en plus malfaisant dans le monde et que les penchants de leur cœur, le portaient de façon constante et radicale vers le mal. » Alléluia. Et Nakati à Genèse chapitre 8, le verset 21, Bible le dit, oui. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ses sacrifices et il s'est dit, désormais, je renonce à maudire le sol à cause de l'être humain. C'est vrai, de leur jeunesse, ils ont eu des cœurs, des mauvaises penchants. Mais je renonce désormais de détruire ce qui vit comme je viens de le faire. Alléluia. Et ça pensée aux hommes Mabiso Nakati, il y a réflexion monnaie. Et dernière pensée Nabiso, il a tiré Nakati un livre. Il y a Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et ça parmi la béatitude aux hommes, mais à Madagascar, comme ça, Maye Kolinae. Mais on va voir. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi nous voulons développer ces thèmes qui est intitulé la disposition de nos cœurs? Parce que dans la disposition de nos cœurs, ça montre premièrement l'état de notre cœur. L'état où est monté mon abysso et zaléli. Disposition et amitié mon abysso, ils ont prouvé. Na esikani ni où est monté mon abysso et tiama. Disposition de nos cœurs, ils ont la kisabysso, comme ma ko comprendre. Que le lengeni nito agisaka. Parce que Bible zo la carte livre un proverbe.
Mais on voit que macanisme, ce que vous voyez causant un homme science est démontrée, monsieur, pour le baquet, non, le cœur est attaché à nos pensées. Parce qu'à fur et à mesure que nous pensons, que lien de positif, non, ils ont émité, moi. Ce qui m'était manabiso est bien incité, ce qui m'était manabiso est dans la éther malamouté, ce qui m'était manabiso est bon guisamité, il y a un mot que ma canisse n'abiso fait et cause à la malamouté. Or, la carte Bible, nous besoin que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, l'abondance du cœur, ma canisse est un outil à moutou, et affecté mon thème, et n'a pas affecté mon thème à paix et sali que mon encore est l'oba. Il y a plusieurs des choses, des frères et sœurs dans le Seigneur, où il faut ça, là, des fois, et tu y es, y a nous l'amour après. Mais fait l'amour, parce qu'on n'a pas compris que la réaction à Bissot est où t'as qui d'abord, Namoutou, et qui tient à mon thème, et affecter mon thème, et remplir mon thème, et en remplissant les cœurs, et par là que la bouche commence à parler. Si vous avez la langue, tu commences à te retrouver déjà par rapport à penser autrement qui tombe, vraiment autrement dans quatre émission. Nous avons juste une émission, il y a 30 minutes, et dans 30 minutes, chaque 30 minutes, nous voulons que partager vraiment, vraiment un moment très exaltant et que permettre à monsieur de comprendre ma camoussous. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont dit que non, ils ont compté, ils ont suivi mon tout. Ils ont compté, ils ont suivi mon tout. Mais où ils ont mis ma, y a mon nez, ils ont souillé mon toupé et y a mon nez, ils ont détruit. Or, la carte Bible est née d'où tout le temps à penser, la Bible, la carte Bible, Genèse chapitre 6, le verset 5, et ça d'abord histoire à Noé. La Bible dit notre histoire à Noé, comment Zamé a décidé qu'il commence à moukili, pour rendre moukili dans le néa, enfin que ma bé, paix ma pensée. J'aime la Bible. La Bible dit, dans la version 8 secondes de Zoba, dans la version 2 secondes, il le dit que Dieu a vu les pensées mauvaises des cœurs de l'homme. C'est pourquoi que Dieu a agi. Quand la Bible expliquait, il dit que non, Dieu voyant les pensées du mal que l'homme avait, et c'est par là que Dieu a agi. Dans la Bible, il dit que non, l'homme pensait mal, c'est pourquoi que Dieu a agi. Finalement, que Dieu a agi par rapport d'abord à nos pensées. La première des choses que nous devons connaître et nous devons savoir par rapport à la disposition de nos cœurs est de connaître que chaque pensée de ta vie est une clé qui peut ouvrir ou bloquer une autre vie. C'est-à-dire, chaque fois que tu penses, sachez-le très bien que ça peut ouvrir une autre opportunité ou ça peut aussi bloquer une autre vie. C'est-à-dire qu'en commençant d'abord par nos pensées, frères et sœurs, pensons positif. La deuxième des choses, de comprendre par rapport à la disposition de nos cœurs. Dieu a vu les pensées. La Bible me dit ceci, Dieu voit nos pensées et Dieu a la capacité de sonder même la profondeur de nos reins. C'est-à-dire Dieu sonde même les reins. Or, le rein est dans le corps. Le corps est attaché par des organismes qui constituent le corps. Or, en pensant, Dieu te voit. En agissant, Dieu aussi te voit. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plusieurs des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Et nous disons que non, le cœur de l'homme est rempli de plusieurs mauvaises choses. Et non seulement le cœur de l'homme est rempli de plus de mauvaises choses, mais en comprenant que le cœur de l'homme est étouffé par plusieurs mauvaises pensées. Et en comprenant encore une chose, que la plupart de nos cœurs est affecté par rapport dans des blessures, dans des chocs, dans plusieurs de choses où peut-être il est cas et c'est plus saleté, la macambe belle où peut-être et peut ça le coup monter et pas mais la macambe belle peut-être et il y a qu'un pour qu'un choqué yo et ma choc mais sous haut de zone la vie au col en élaboré et cause la peut-être dans une relation quelconque et cause la peut-être un mouton à bizarre qui et cause la peut-être un mouton mort où à sima qui pour y en binaire et dans le mouton mort à fête qui vit naïo dans le mouton mort à décourager qui n'est l'eau mort où et ça les que la fin de compte et mémie
état de pensée mon qu'on a quatre motema et motema na yo est comme une disposition oyo et singer la quitter. Y a on a l'ignorer de sa mutu mon qu'on a tombé à l'eau. Quelle que soit tes pensées, quel que soit tout ce que tu pourrais avoir comme souci, quel que soit tout ce que tu pourrais avoir comme arrière-pensée ou de pensée mauvaise dans ta vie, frères et sœurs dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de l'Éternel que venez à moi, vous toutes qui êtes chargées et fatiguées, en moi vous trouverez du repos. Le repos, au Dorikozoa, c'est de venir d'abord en Jésus et de donner notre cœur en Dieu. Dieu n'a pas seulement besoin de notre corps, mais Dieu a besoin de nos cœurs. Parce que dans le cœur, là où siège l'émotion, dans le cœur, là où siège toutes sortes de sentiments, c'est dans le cœur qui siège toute notre émotion. Émotion vitale, émotion sociale, émotion professionnelle, émotion amoureuse, émotion n'a pas niveau dans mot, ni en soi et singeli. Mais centre dans mot et dans mon thème. Frères et sœurs dans le Seigneur, aussi longtemps que mon thème a eu, et personne n'a pas en zambété, il y a une disposition à mon thème. Aux alas de musique, par rapport à la réalité, par rapport à ma cambo, et que ça, on a quatre bons moyens. La troisième chose, il y aura plus de zone à bouillir. Ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, le verset 8. Alors dit, ces peuples, voilà ce qu'on a besoin de faire. Nous avons besoin de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses. Alors dit, ces peuples m'honorent, tous honorent les zambes, tous honorent les combats de zambes, tous honorent les zambes, mais tous honorent les namaloba, tous honorent les namisala. Tous honorés na maloba, tous honorés na ba œuvre. Oh, Bible le Bible, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur de Dieu est éloigné. Pardon, ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu a compris que maloba oh yo ministre la caille et je confessais que réellement était mon thème manayo. Maloba oyo zo lobela nzambe ezo témoigner de disposition état oyo motema na we zaleli. Dieu dit que non, ton cœur est éloigné de lui. Motema na yo eza musika et motema ya nzambe. Frères et sœurs dans le Seigneur, aussi longtemps que motema na yo eza musika ya motema ya nzambe, yeba ya boke nzambe akotika na jamais kokota likambo na yo. Nzambe akotika na jamais kobundela yo. Dans ma jamais pour combattre pour tes ennemis. Parce que ton cœur n'est pas attaché à lui, mais ton cœur est éloigné de lui. Or, la Bible dit dans le livre de Rites chapitre 1er et chapitre 2, il est en train de nous relater une histoire que, au lieu de il y a la Moabite, Naomi, et ainsi de suite, la Moabite, pendant Rites, et ainsi de suite. Mais plus le zéro là, plus le que non, le cœur de Rites a été attaché à Naomi. C'est pourquoi Naomi a trouvé faveur. Il y a pour rendre Yébé Erez. Alors, il dit que non, et si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Là, c'est le cœur qui est attaché à une personne. Maintenant, si maintenant que ton cœur est attaché à Dieu, à combien plus fort Dieu entrera dans tes problèmes, à combien plus fort que Dieu prendra la responsabilité de combattre pour tes ennemis, à combien plus fort que Dieu interviendra dans tes citations. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 3. La Bible dit que je me suis descendu parce que je vis, parce que j'ai écouté, parce que j'ai compris, parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Tu es le peuple du Seigneur. Parce que le cri des peuples, ça ne vient pas seulement en confessant par la bouche, mais ça vient d'abord par le blessure interne du cœur. Une fois que ton cœur commence à s'acharner contre quelque chose, et si le cœur est attaché à Dieu, Dieu va intervenir. Je voudrais dire à quelqu'un que ce matin, si ton cœur est attaché à Dieu, sache-le que Dieu dort avec toi, Dieu réveille avec toi, Dieu mange avec toi, Dieu est avec toi. Je peux l'éprouver bibliquement. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 18, les versets 18, les versets 6, 3 à 6. La Bible dit que non, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres
que j'entrerai, je souperai avec toi. Toi avec moi. Donc la Bible dit, toi avec moi. C'est-à-dire qu'une fois que tu ouvres ton cœur, une fois que tu acceptes que ton cœur soit dans l'état par lequel que Dieu attend de toi, sache-le très bien que non, Dieu entrera, Dieu soupira avec toi et toi avec lui. Or, lorsque tu partages une même table à manger avec le Seigneur, sache-le bien que non. Tu sais, une chose, c'est les grands-parents de ma famille, ils ont que lorsque vous êtes en table et en famille, il y a des choses que vous êtes en train de se relater pour le baka. Tu mets ta ramassolo, la carte à mesa, et tu as une ambiance sur un écolia. Et ça, là, que non, tu es peut-être des choses peut-être autre ignorée ou bien autre va quitter. Oh, lorsque maintenant, vous avez passé moment en famille, il y a de l'ambiance. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses que nous sommes en train de se relater et tout le monde va se faire dans ma solo. Wana Koutou, n'a pas ton kin. Et maintenant, lorsque tu es en train de passer dans la table du Seigneur, tu soupes avec Dieu. Tu es avec Dieu, tu as donné ton cœur à Dieu. Et vous êtes dans la même table pour faire un repas, pour faire un dîner. La Bible dit que non, toi avec moi, tu souperas avec moi, toi avec moi. C'est-à-dire que Dieu prend maintenant le contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu comprend maintenant de tout ce qui est comme des problèmes, tout ce qui est comme lamentation, supplication. Dieu prend maintenant la responsabilité. Il y a beaucoup de matamu nao, puis il y a beaucoup de comprendre. Qu'est-ce que réellement que je peux faire pour ce cœur? Qu'est-ce que réellement je peux apporter comme consolation? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes toujours. Je rentre tout dans les béatitudes. La Bible dit que les cœurs affligés qui seront consolés. Les cœurs affligés et qui seront consolés. C'est-à-dire, la consolation vient seulement de Dieu. Mais à une seule condition, écoute et dispose ton cœur. La disposition de nos cœurs apporte une vitalité dans notre vie. La disposition de nos cœurs change notre état. La disposition de nos cœurs apporte une évolution, une évaluation positif dans nos vies, et cela fait que dans nos vies que rien ne pourrait encore se présenter en mal parce que nous avons disposé nos cœurs à Dieu. À Dieu. La troisième des choses que nous devons parler, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 19. La Bible dit, car c'est du cœur qui viennent de mauvaises pensées. Ha. Rentrons dans les contextes que nous avons commencé dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'à cause des pensées, que Dieu a décidé de frapper le sol. Selon la version que je viens de lire, dans la Bible expliquée. Mais dans lui, c'est comme on le dit, qu'à cause de la pensée de l'homme, Dieu a frappé la terre. Dieu a décidé de frapper la terre. Parce que c'est l'histoire d'Élie, de l'Ubisonios. Mais, dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, il le dit, car c'est du cœur. C'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les pensées mauvaises. Les mauvaises. Mon témoigné, mon tout, ils ont dégagé ma cambo, ils ont salam. Frères et sœurs du Seigneur, aujourd'hui nous tous, nous sommes à la maison, pas d'activité, pas d'église, pas de fête, pas de funérailles, pas d'obstacles, pas de regroupements de plus de 20 personnes, pas et des distanciations sociales, il n'y a pas de collaboration avec amis, il n'y a pas de collaboration avec ton amant, ton amour, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés à la maison parce qu'il y a quelque chose qui est en train de nous paralyser. Tel que par exemple, nous connaissons tous, c'est la pandémie de COVID-19. Et à cause de cette pandémie, tous nous sommes pénalisés. À cause de cette pandémie, tous nous sommes bouleversés. Frères et sœurs, or, plusieurs de personnes se disent que Dieu qui nous a frappés, ainsi de suite, ma compétence, la langue, singélie, technologie, guerre, ainsi de suite. Mais dans tout ce que nous pouvons faire, Dieu est en train d'éprouver quelque chose. Que nous puissions comprendre si réellement que nos cœurs est disposé à lui témoigner, à lui confesser réellement que nous sommes enfants de Dieu et de comprendre que ce que le Seigneur veut de nous. C'est une histoire du cœur. C'est une histoire que le Seigneur veut comprendre que réellement si est-ce que nous sommes éloignés de lui
ou bien nous sommes attachés de lui. Si nous sommes éloignés de lui, c'est à ce moment ici que plusieurs, comme il n'y a plus de prédication, comme il n'y a plus les équipes de suivi pour faire le suivi des âmes, il n'y a plus les évangélisations, il n'y a plus les intercessions, il n'y a plus les messages de la sanctification. C'est par là que maintenant, tout le monde se permet de faire n'importe quoi, n'importe qui, et d'aller n'importe où qu'il veut, parce qu'il n'y a plus de contrôle. Or, si le monde ne te voit pas de ce que tu fais, sache-le très bien, il y a un œil dans le ciel qui te voit et qui sait aussi sonder tes pensées. Il sait que réellement que les pensées que tu as, ce sont des pensées mauvaises, ce sont des pensées négatives, ce sont des pensées qui ne confessent pas le nom de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, rentre et dispose ton cœur pour Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas trop large parce que c'est notre premier élément, c'est notre première émission. J'aimerais que nous puissions un peu comprendre que si nos cœurs est attaché à Dieu, Dieu sera avec nous. Si notre cœur est assoiffé de comprendre la volonté divine, de comprendre ce que Dieu veut de nous, sache-le très bien que Dieu t'accompagnera aussi. Frère, nous avons plusieurs pensées, nous avons toujours des grands projets, nous avons toujours des grandes ambitions en disant que mais à la fin de compte, est-ce que tu penses aussi pour l'intérêt de Dieu? C'est pourquoi Dieu est en train de dire que ces peuples m'honorent dans leurs lèvres. Ces peuples m'honorent dans l'œuvre. Ces peuples m'honorent par les bouches. Ils les confessent réellement qu'ils m'aiment. Mais dans leur cœur, ils sont très éloignés de moi. Ils sont très éloignés de moi. J'aime cette pensée. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 21, la Bible dit ceci, que il a compris les pensées de l'homme et les pensées de l'homme montaient vers lui avec de bonnes odeurs. Et ce sont des pensées de leur jeunesse. Oh my God! C'est par là que j'aimerais comprendre une chose. La Bible dit que nous avons abandonné notre premier amour. Or, le premier amour, c'est dans tes premiers pas. Lorsque tu t'attaches avec Dieu, lorsque tu as donné ta vie avec Dieu, lorsque tu es encore assoiffé, avec un cœur assoiffé, qui désire encore le Seigneur. Or, la Bible dit que non, j'ai compris les pensées de leur jeunesse. Et j'ai compris les pensées de leur jeunesse. J'ai compris les pensées de leur jeunesse. Or, c'est par la jeunesse, c'est dans tes premiers pas vers le Seigneur que le Seigneur aimer partager des moments avec toi, que le Seigneur aimait être avec toi, que le Seigneur faisait des choses avec toi, le Seigneur travaillait avec toi, le Seigneur était réellement avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de constater, il y a plusieurs gens, il y a plusieurs aînés, il y a plusieurs vieux, il y a plusieurs anciens, il y a plusieurs de gens mentor, ton ego benga, ma père spirituel, ton ego benga, ma aîné. Mais lelo, plusieurs héros sont tombés parce qu'ils ont perdu leur pensée de la jeunesse. Or, dans la jeunesse, plusieurs pensent toujours positif. Personne ne peut avoir des pensées négatives. Or, c'est le plus beau moment que le Seigneur nous attend. Le Seigneur ne t'attend pas que tu puisses être fort pour lui servir. Le Seigneur n'attend pas que tu puisses être solide pour témoigner que réellement que ton cœur est attaché à lui. Mais le Seigneur sait que tu es rien. Devant lui, et se donner et s'approcher devant son trône de grâce. C'était notre premier élément. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous à la prochaine fois dans notre chaîne Congo Réalité TV sur YouTube. Vous tapez Congo Réalité TV. Ne manquez pas de vous abonner. Congo Réalité TV. C'est par là que vous aurez toutes les séries de cette émission, la disposition de nos cœurs. Et c'est par là que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Restez connectés.
restez branchés dans notre chaîne Comment Réalité TV. Abonnez-vous massivement dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Amen. Je voudrais que là où tu es, tu peux prendre encore juste une minute ou 30 secondes de dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour cette exhortation, merci pour ce qui a été. Merci pour cet enseignement qui nous parle de notre disposition de nos cœurs. Et aujourd'hui, on a compris, on a bien compris que réellement, qu'il faut que nous puissions disposer nos cœurs. Il faut que nous puissions donner notre cœur à Jésus. Il faut que nous puissions être à un cœur assoiffé de Dieu, de comprendre sa volonté, de marcher avec lui, de donner notre vie totalement à lui. Si la Bible me dit dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 4, la Bible dit que ce que le Seigneur veut de nous, c'est une vie de la sanctification. Oh, la sanctification vient de nos pensées, la sanctification vient de nos cœurs, la sanctification se donne par notre disposition de nos cœurs. À cause de notre disposition de nos cœurs, c'est par là que nous allons recevoir Jésus, c'est par là que nous allons s'attacher à Jésus et c'est par là que nous allons donner notre vie à Dieu. Je voudrais que tu puisses prier avec moi et moi je prierai avec toi. Oh Seigneur notre Dieu, nous te prions Seigneur, nous te prions le roi des rois, que notre cœur soit enflammé de ton amour, que notre cœur soit disposé à te recevoir, que notre cœur soit réellement branché, connecté, cimenté, Yahweh, et notre Dieu avec notre Dieu, ton cœur Seigneur. Nous ne voulons pas être éloignés de toi, nous ne voulons pas être Seigneur notre Dieu très loin de toi Jésus, et notre Dieu qui est écrit dans ta parole, et notre Dieu lorsque nos cœurs se relâchent avec toi, c'est notre Dieu, c'est la mort qui vient. Et dans notre Dieu, nous voulons, Yahweh, que ton amour ne cesse jamais, ne cesse jamais, ne cesse jamais à nous aimer. Et dans notre Dieu, que laisse que ce n'est pas de grâce, que ce moment, que ce temps favorable de partage, et dans notre Dieu, que nous puissions encore être des bénéficiaires de ta grâce. Enfin, que Seigneur, que tout ce que nous dirons, c'est notre Dieu de toi. Alors, notre Dieu, que cela soit bénéfique pour ton peuple. Nous ne voulons pas être un peuple très éloigné de toi, un peuple qui confessera le nom de Jésus par ses lèvres, mais un peuple qui donnera sa vie à Jésus, un peuple qui se soumettra à la volonté de son maître, un peuple qui marchera, enfin que comme tu l'as dit, Seigneur notre Dieu, que nous puissions bénéficier, être notre Dieu, de ton royaume, car erré celui qui a le cœur pur, car ils verront Dieu, et ton autre Dieu, qu'aujourd'hui, que nos cœurs soient attachés de toi, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, sois béni, et ton autre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, amen. Restez branchés dans notre chaîne Congo Réalité TV, abonnez-vous massivement, et vous aurez toutes sortes de nos exhortations qui concerne la disposition de nos cœurs. C'était votre évangéliste Lionel Koubatila. Restez branchés. Que Dieu vous bénisse.